Ciel. Donc je me suis mis là, je vois le ciel bleu. Comme ça, quand j'écoutais pas, ça me permettait de rêver. Ou que j'étais ailleurs. Il faut qu'on fasse... Si vous voulez dire un mot de plus à votre voisin, je suis en bord. Ça, c'est pour deux. Si vous voulez dire. Le numéro qui vous a été attribué, d'accord ? Bien lisible. Bien lisible, voilà. Donc, ça devient nous faire bon enfant. Nous n'avons que l'autorité que vous, vous nous donnez, parce qu'on ne va pas vous punir. On ne vous accompagnera pas aux toilettes. Et les portables, c'est que ceux de 1918. Vous avez le droit de prendre. Après, ce qui aurait été fait après, non. C'était proche de français, vous la dictera. Mais comme elle a l'accent bourguignon et du Morvan, je la relirai avec l'accent du Midi, moi, après. Ce sera un peu plus facile. Hein. Et puis dans une atmosphère bon enfant et décontracté. Hein. En introduction, je voudrais d'abord vous féliciter tout simplement d'avoir accepté de vous soumettre au verdict de notre ancien et vieux certificat d'études qui a vécu pendant 100 ans. Il a été créé vers 1882 officiellement et ça fait donc 100 ans. Alors, je vous rassure, c'est pas un championnat d'orthographe. C'est pas un championnat de calcul, c'est juste un défi que vous vous lancez à vous-même, défi sportif qui n'a rien d'officiel, et auquel vous acceptez de vous soumettre à la loyale, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Guérard, les smartphones et autres portables sont évidemment interdits. Sauf ceux qui sont à part de 1918. Ah d'accord, on peut le dire. Alors, on va aussi rappeler que vous participez à une opération souvenir, puisque ce certificat d'études à l'ancienne, certificat d'études que nous avons en place, se situe dans les activités de commémoration de la fin de la DFA. Commémoration que la ville de Valon veut lancer à travers les questions de manifestation dont cette. Et ce sera une manière de rendre hommage à ces pauvres soldats, ces millions de soldats qui ont laissé leur vie le 14 juillet. Oui, parce que là, on n'a rien. Alors, à cet effet, je rappelle que tous les sujets qui nous sont soumis sont des sujets que nous n'avons pas inventés, mais que nous avons retrouvés dans les archives. Oui, divisé par deux. Des épreuves qui ont été données, soit pendant la guerre 14-18, soit légèrement après, quand on ne trouvait pas. Entre parenthèses, c'est très difficile de trouver les épreuves qui ont été données autrefois. On a trouvé la liste des élèves, on a trouvé, pour Avalon, par exemple, en 1918, il y a eu 34 candidats, en plus c'est pas moi. Il y a eu 28 refus. Qu'ont-ils fait comme épreuve, on ne sait pas. Les corrections sont assurées par les anciens enseignants, et tout se fait sous l'autorité que je représente en tant que vieil inspecteur de l'éducation nationale, ayant participé à ça. Je suis garant et de l'authenticité des preuves et de la légalité, mais aussi de la vigilance du jury pour corriger. La dictée, je la donne, voilà, c'est là-dedans, il y a la dictée et les questions dictées. Je donne ça à vos deux responsables et je vous souhaite bon courage et bon travail. 10, René Gilliot. 11, Aurel Geoffroy. 12, alors elle n'est pas là. Ah, je change, mais... Dans ces étroites vallées, des rivières non navigables baignent les donjons en ruines.
de vieilles abbayes, des huttes couvertes de chaumes où les troupeaux vivent pêle-mêle avec les pâtres. La Bretagne. Quoi ? Allez-y. Cette longue presqu'île, cette longue presqu'île, virgule, d'un aspect sauvage à quelque chose de singulier. À quelque chose de singulier, point virgule. Ces vallées sont séparées entre elles ou par des forêts remplies comme des chênes. Ou par des bruyères semées de pierres druidiques et paissent des vaches maigres. Entre elles, virgule, ou par des forêts remplies de houx grands comme des chênes, virgule. Ah, mais c'est bon. La feuille remise. Vous répondez sur la feuille que vous avez prise avec bien. Pas autre chose. Oh yes. J'y suis arrivé. Les modalités de passation. Alors, on va vous lire chacun notre tour la question. Après, on va compter environ 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, vous n'avez pas le droit d'écrire. Au bout des 5 secondes, je frappe, vous écrivez. Je refrappe, vous levez les crayons. Et on passe à la question suivante. Ça ne comptera pas, cela. C'est pour vous préparer. Voilà. Et après, à partir de la question 1, là, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est ce qui va compter dans votre note de maths. Un fermier met 25 kg de blé dans son semoir. Vide,
Le semoir pèse 7,5 kg. Quel est le poids du semoir plein? On écrit. Ça, c'est le cluster. Oui. On lève son crayon. Voilà. Premier exercice obligatoire. Un bon fils envoie à sa mère le tiers de ce qu'il gagne. Cette mère, très économe, met de côté le quart de ce qu'elle reçoit. À la fin de l'année, elle possède 150 francs. Calculez le gain mensuel du fils. Avant de partir en vacances le 4 juillet à 7h20, Germaine a placé un seau de 5 litres sous ce robinet. À quelle date et à quelle heure, au plus tard, doit-elle rentrer de vacances afin d'éviter que le seau déborde? Histoire géo, une feuille histoire, une feuille géo, vous mettez votre numéro sur les deux et vous répondez directement sur les feuilles. Et il y a recto verso pour les deux. Allez, jusqu'au bout la discipline, c'est vous. Les deux côtés, ça va. Bon, vous avez bien tous deux feuilles, histoire et géo. Vous avez une histoire. Bon, tout le monde a deux feuilles. Vous avez bien mis vos numéros. Oh là. Vérifiez bien, vous avez mis votre numéro sur chacune des deux feuilles. Qu'on considère comme la première du canton. C'est la seule que je nommerai par son nom, je ne la connais pas, Madame Moreau-Marinette. Est-elle là? Voilà. Alors, je vous félicite. Madame Moreau-Marinette a eu 20 sur 20 marques.
je voudrais nommer une deuxième personne, dont je ne sais pas le nom, mais c'est la doyenne qui avait dû participer, 90 ans. Michel Guidardier. Micheline. Ah, pardon, parce que j'avais mal. Merci. Voilà. Parce que 6e, après, on ne passait pas. Donc, c'était un défi que je me lançais. Voilà. Vous étiez enseignante, madame? Oui, j'étais institutrice. Ah, ça aide. Ah, ben, c'est exemple.